Crybabies. Des glaces multi-parfums. Qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui? Pourquoi vous venez pas ici? C'est merveilleux. C'est bien. Nous, on n'a jamais trop chaud. On reste bien au frais sur notre petit nuage. Je crois que j'ai une idée pour que tu aies moins chaud. D'accord, mais dépêche-toi. J'ai le cerveau qui va fondre. Oh! Waouh, mon cupcake s'est transformé en glace. Pas ma poussette, non! C'est délicieux, hein? Burk, vos glaces sont très bizarres! Oui, ici dans la montagne Fantasy, on fait des glaces avec toutes les choses qu'on aime. Et nous, on adore ça! La mienne est délicieuse! Tu vois? Je vais goûter! Je vais goûter! C'est trop bon! Bien sûr, ça a le goût de cupcake et pas de choses. Eh ben moi, je préfère les parfums des choses qu'on trouve ici. D'accord. Et si on mélangeait mes cupcakes avec vos drôles de glaces? J'en ai fait des tas. Je crois que si on les mélange avec tous ces objets, on aura des glaces qui plairont à tout le monde. Quelle bonne idée! Un chapeau plus de la fraise, un chapeau fraise. Un biberon plus du chocolat, un choco-biberon. Un ballon plus de la vanille, un ballon vanille. Ce parfum est très original. Oui, c'est vraiment rafraîchissant. On va appeler ça la fusion magique. Allez, venez. Oui, allons en préparer plus. Ça rafraîchira tout le monde. Et apportez les glaces chez moi. Et chez moi aussi. Et chez moi aussi. Alors, comment je vais faire pour livrer toutes ces glaces? J'ai une surprise pour toi, Conille. Vas-y, tu peux regarder maintenant. Ouais. J'ai fait des améliorations sur ta poussette. Comme ça, tu pourras livrer des glaces à domicile. Super! Alors, en avant les glaces! Oui, oui! Super! Quoi? On s'amuse bien quand on fait des glaces. Des glaces! Elles sont très bonnes! Des glaces! Une glace à la vanille, s'il te plaît. Et voyons quel goût ça a au tambour. Voyons ce que ça donne avec un tambour. C'est trop rigolo! Alors, de la glace, 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 de la glace. Merci. Eh ben moi, je vais me faire une glace au snowboard. Et voilà, il y en a plus, ça y est. Ça, c'est pas le parfum que je t'avais demandé. Tu peux m'en faire une autre? Je veux une triple glace. J'ai chaud. Connie, ce sera prêt quand? Attention les bébés, il nous faut... Hein? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh ben, on n'a plus de choses. Regardez, il reste encore ce frisbee. Non, restez là. J'ai besoin des frisbees. Mais revenez. Les bébés veulent de la glace. Rendez-moi ça. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui arrive à Connie? On lui a fait trop de commandes de glace à la fois, j'ai l'impression. Connie, on a trop fait. Il faut qu'on fasse quelque chose pour la remercier. On va lui faire une surprise. Vous nous aidez? On a choisi nos objets préférés. Et... Fantasy Fusion, transforme-les en glace. Waouh! Des couleurs magiques. C'est énorme. Connie, c'est pour toi. Pour avoir été si sympa avec toi. Oui. Waouh! C'est la glace la plus délire rafraîchissante du monde. Magic Tears! C'est un stand de glace self-service! Ouais! Pourquoi tu n'as pas pensé plus tôt? Ouais! Super! Quelle bonne idée! Eh ben moi, je préfère quand même le parfum des choses. Super aventure, Crybabies.
le traducteur de Pets. Je vous avais dit que Lua était géniale. Qu'est-ce qui vous fait rire? Lua raconte les meilleures blagues de toute la vallée Biberon. Ah, moi aussi je veux rigoler. Moi aussi. Mais Lucie, je comprends rien en fait. Ben moi non plus. On veut tous comprendre Lua. Calmez-vous les bébés. Vous allez maintenant découvrir notre médium. Tina. Je vous attendais. En quoi puis-je vous aider? On voudrait... Ne me dis pas. On aimerait bien pouvoir comprendre Lua. Vous voulez pouvoir comprendre Lua? J'ai juste ce qu'il vous faut. Et voilà, le casque des mots. Oh, j'adore le nom. Et ces lumières, elles sont juste trop mignonnes. On va l'essayer. Allez, Lua, raconte-nous une blague. Dans la vallée, on m'appelle la chèvre. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est trop fort. Dis, Lucie, tu pourrais pas lui permettre de rester ici le week-end? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, d'accord, si vous voulez. Pourquoi la mère ne sèche jamais? Parce qu'elle n'a pas de serviette. Trop drôle, trop fort pour raconter des blagues. Je sais faire d'autres choses. Regardez. Je suis un martien. Je viens envahir votre planète. Je suis un robot. Bip, bip, bip. Je suis un monsieur moustachu. T'es la personne la plus drôle qu'on ait jamais vue. Tu es si drôle. Je t'offre une glace aux étoiles filantes pour te remercier. Et moi, je te donne des bulles danseuses. Et moi, je t'offre une tempête de paillettes. Lua, 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 Lua. Lua, on y va. Enlève ton casque. Je veux pas, faut que je fasse mon show. Tu es une star de la comédie, tu sais. T'es une quoi? On voudrait que Lua reste quelques jours de plus. Elle est tellement drôle. Oui, mais on doit rentrer à la maison. Allez, Lucie, sois pas comme ça. Laisse-nous jouer encore un petit peu avec Lua. Bon, d'accord. J'espère que je te manquerai un petit peu quand même. Je vous présente la superstar Lua. Un artiste a aussi besoin de se reposer. On t'attend devant l'arbre géant. Allez! Mais j'étais en train de jouer. Dépêche-toi, tu joueras plus tard. On t'attend dans les nuages en coton. Ouais, Lua, faut qu'on retrouve. C'est quoi la fin de la blague du pompier? J'en peux plus, je veux rentrer à la maison. Ah, voilà Lua. Lua, 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 Lua. Non. Lua, Lua, Lua. Une autre blague. S'il te plaît, le robot. Allez, viens. Lua. Lua, Lua. Est-ce que ça va? Je commençais à m'inquiéter, tu sais. Je veux plus raconter de blagues. Je veux rentrer à la maison avec toi. Oh, on a un peu exagéré, non? Mais c'est parce que t'es trop drôle. On passerait nos journées à t'écouter. Attends, je t'enlève le casque. Lou a dit qu'on reviendra un autre jour. Là, c'est vraiment l'heure d'aller au lit. Ah, Lucie, je te promets que la prochaine fois, on s'occupera très bien de Lou. Ne t'inquiète pas. Fantasy Magic Team. Ouais, ouais. Cry babies, cry babies, magic.
grimper. C'est presque l'heure de la fête du thé. Ils seront prêts quand les cupcakes? Ils sont dans le four. Encore quelques minutes. Pandy va adorer ma nouvelle vaisselle. Elle est belle, n'est-ce pas? J'arrive. Gigi est arrivée. Tu viens? Et Pandy, c'est l'heure de... Allez, on se dépêche. On part en pique-nique. C'est un endroit génial et il y a des murs énormes. Oui, allons, on va chercher des murs. Hein? Et ma fête du thé alors? Cutie, sors les cupcakes du four. On part faire du camping. Tu vas voir comment on va s'amuser. Tu vas adorer. Je n'aime pas la campagne. Yay! Eh, vous avez vu, Cutie? Elle est parfaite. On la fixe bien au sol. Et voilà. Mais où est-ce que tu vas avec tout ça? J'ai pris que l'essentiel. Tout ça, ça ne sert à rien à la campagne. Ma boussole est bien plus utile. Regarde. N'importe quoi. Lady, Gigi, venez chercher des murs avec nous. Allez, viens, Lady. On va s'amuser. Aïe! Pan! Où es-tu? Pan? Pan! Lady, allez, viens, on doit y aller. Mais qu'est-ce qu'elles sont grandes? Je sais qu'elles sont vénéneuses. Je ne les toucherai pas. Ouais. Dites-moi quand vous aurez fini. Mais tu peux pas dormir là. On doit partir en groupe, enfin. Il faut qu'on reste bien ensemble pour ne pas se perdre. Alors ça, c'est la meilleure. Lady! Mais enfin, Lady, n'aie pas peur. J'ai pas peur. Je cherchais des jolis murs. Très bien. Mais on doit y aller, là. Il commence à faire nuit. Bon, pas de problème. Je sais comment rentrer. J'ai ma boussole. La boussole, c'est ennuyeux. Je sais retrouver le chemin. C'est quoi, ça? Fais attention, Lady. Cache-toi. Est-ce que je dois tout faire? Waouh, ça a été incroyable. Viens, c'est par là. Non, c'est par ici, suis-moi. Je meurs de faim. Je changerai même mon parfum contre un cupcake de Connie. J'ai faim, c'est encore loin. Gigi! Lady! Lady! Ouais! Merci, Gigi. Tu m'as sauvée grâce à ta boussole. En fait, tu sais, j'avais très peur. Et toi, que tu avais ton parfum. En fait, on fait une bonne équipe toutes les deux, n'est-ce pas? Magic Tears! Wow! Il ne manque plus que tes cupcakes, Connie. Oui, mais j'arrive pas à trouver Cutie. Pas trop tôt. Cutie, Pan, vous êtes les meilleurs. Parfait. Ouais. La campagne, c'est Cutie Mouse. Ouais. Merci, les amis. Plein de super aventures. Fantasy. Le mystère de
de la sucette enchantée. Spot, je t'ai dit que les gentils chats n'aboyaient pas la nuit. J'en crois pas mes yeux. Je suis en train d'halluciner. Mais c'est réel! Vous pouvez pas vous imaginer comme j'ai eu peur. J'ai même pas pu fermer l'œil de la nuit. Mais ça n'existe pas des tétines en diamant. C'est impossible. Et encore moi qui vole. Tu as dû rêver, Dotty. Mais nous, je l'ai vu s'envoler par la fenêtre. N'est-ce pas, Spot? Je trouve ça très étrange. Allez, vas-y, Spot, confesse. Où as-tu mis la tétine en diamant? Mais c'est pas Spot, je vous dis. Dotty avait raison. Ce sont les fantasies. On dirait qu'elles savent quelque chose. Bien sûr qu'on est au courant. Dotty a rencontré la tétine hantée en diamant. Vous voyez, je vous avais dit que c'était la vérité. La légende raconte qu'une fois tous les 100 ans, une tétine en diamant apparaît. Et elle est habitée d'un fantôme très coquin. Il n'y a que les cupcakes qui lui font peur. Une tétine enchantée, tu as dit? Ça a l'air complètement effrayant. Je vais aller faire des tas de cupcakes. Les bébés, n'ayez peur de rien. Il y a un mystère, c'est sûr. Le détective Camille se met à votre disposition pour le résoudre. Si ce fantôme revient, nous serons ensemble et rien au monde pourra nous vaincre. Moi, je n'en crois toujours pas un mot. Les fantômes, ça n'existe pas. Je le découvrirai grâce à ce super déguisement. Hey, réveille-toi, espèce de petit loir. J'ai préparé des tas de biberons et de cookies pour nous protéger. Merci, Connie. Les bébés! Hey, faut pas les manger, c'est pour faire peur aux fantômes. Qu'est-ce que c'est bon! J'ai même plus peur maintenant. Il est juste derrière moi, c'est ça? Au secours! J'ai l'impression que mes cookies font aucun effet. Ils sont délicieux. Mais je croyais que le fantôme avait peur des cupcakes. C'est passé comme une lettre à la poste. Et nous, les cupcakes, comme des télégrammes. Vous auriez dû voir la tête de Dotty quand la tétine est apparue. Ah ah! Maintenant, je comprends parfaitement tout. Les petits fantômes aiment bien les cupcakes de Connie, hein? Puisque c'est comme ça, on va jouer le jeu. Bon, je vais aller à la vallée en chercher d'autres. Oui, moi j'en vais à la fraise. Et moi au chocolat. Allez-y! Tenez, les voilà, vos coquilles fantômes de pacotille. Tu parles d'une légende. Vous voulez bien nous pardonner? C'était juste une blague. Tiens, je te donne ma merveilleuse tétine en diamant. Merci beaucoup. Mais on s'est vraiment bien amusés. J'adore faire des enquêtes. Vous voulez des cupcakes? Regardez sa larme bleue foncée. Fantasy Magic Tears. Super aventure, Fantasy
journée sans pouvoir. Aujourd'hui, je vais surveiller la fontaine. Oui. Vous avez vu ma pirouette? Ce qu'on a vu, c'est que tu vas comme une fusée déchaînée. C'est tous les jours pareil. Tu dois essayer de faire un peu attention. J'en ai presque perdu ma jolie fleur. Et moi, mon klaxon. Ah, et moi, ça me stresse. Je croyais que ça leur plaisait quand je volais. Je cause plein de problèmes. Je fais tout mal. Que c'est comme ça, j'arrête de voler. Comme ça, je gênerai plus personne. Pas de vol et l'air sera paisible. Et la montagne fantaisie aussi. Attrape-moi. Je vais mettre des marshmallows dans le four. Tu pourras me les surveiller, s'il te plaît? Reviens tout de suite. Bien sûr. Si tu entends un bruit, tu viens en volant et tu éteins le four, d'accord? Oui, oui. J'ai oublié le klaxon. Tu pourras aller me le chercher en volant. Je ne volerai pas. Chez moi, s'il te plaît. C'est de la peinture magique pour les pinceaux magiques. Il faut que j'aille au lac. Merci. Tiens, essaie. C'est des nouvelles saveurs. Ok. Il fallait que je fasse... Ah oui, le klaxon. Ah! Oh non! La peinture de Rosie. Les pinceaux magiques, ils peignent avec de la glace. Quel désastre! Les marshmallows au four, c'est un vrai cauchemar. Le four, le klaxon. Regarde autour de toi et tu verras ton don. Tu parles de moi, là? Tu ne te rends pas compte? Tu ne t'es jamais arrêté de voler, Jenna. Et quand tu l'as décidé, tout s'est arrêté. Tes vols bougent le monde entier. On a besoin que tu voles. Mais quand je vole, je cause beaucoup de problèmes. Et je ne veux plus du tout vous gêner. Je ne volerai plus. Il ne s'agit pas de ça. Voler, c'est ta nature, dans le fond. Tu dois juste faire un tout petit peu plus attention quand tu voles. Et c'est tout. Dans ce cas, vole ! Je reviens tout de suite. Faites-moi confiance. Oui !
Regarde, oh. Je l'ai presque eu cette fois. Ouais, ouais, enfin presque. Ah, super rangement, Gigi, attrape. Aïe. Te moque pas. Mais c'est pas de ma faute. Je me vengerai. Ah, c'est qui ça? Il est super ce déguisement. Il y a même une couronne, c'est top. Touchez pas, c'est un fantaisie. C'est un quoi? J'ai tout lu sur eux dans une BD. Je sais tout sur la montagne fantaisie. C'est toi qui es fantastique. Aïe. Hein? Pauvre bébé. Venez, on va l'amener chez moi tous ensemble. Super! Aïe! Tu vas arrêter, Bruni. Tu dois l'accepter. Tu ne peux pas voler. Ça va, j'apprends, Dreamy. Mais mon vrai talent, tu sais, c'est d'arrêter le temps. Arrêter le temps? Rien que ça. Ça, c'est un pouvoir. c'est vraiment bon ça. Viens, Bruni, on va retrouver Feli. Coucou. Poussez-vous, je veux voir. Où suis-je? Dans la vallée. Et t'es qui, toi? Je m'appelle Feli. Et tu viens d'où, au juste? De la montagne fantaisie. Par le portail. Ouh là là, il a dû se faire très mal à la tête. Je vais aller prendre sa température. Mais non, je vous l'ai dit, c'est un fantaisie. Alors, est-ce que tu as des pouvoirs? Tu peux voler et disparaître? Est-ce que ça existe un toboggan en nuage? Et... Ah bah le voilà, tu relaxes. Viens, on y va. Non, attendez, Feli. Comment on fait pour aller à la montagne fantaisie? Par le portail. Il faut trouver un cœur ailé. C'est pas très facile à voir. Tape dans tes mains trois fois, mets les mains sur la tête, à la taille, saute en avant, saute en arrière. Plus tu bouges, plus tu as de chances que ça s'ouvre. Écris. Un petit pas par ici, un petit pas par là, et le portail fantaisie s'ouvrira. Mais c'était vrai! Alors, vous me croyez maintenant? Allons à la montagne fantaisie! Mais comment on va faire pour trouver le portail? Hein? Je me dépêche, j'arrive tout de suite. Je dois aller chercher toutes mes affaires. La bulle parfaite. J'adore les
bulles. Ce serait génial de jouer avec des bulles si grandes que quand elles explosent, il pleut. Imagine si elles étaient assez dures qu'on puisse les monter comme des poneys. Oh, celles-ci sont trop petites et impossibles à attraper. J'ai la solution. On doit créer la bulle parfaite. Ouais. La science des bulles est très complexe. Avec cette recette, on va pouvoir faire la bulle parfaite. On va avoir besoin d'eau, de savon et... la super machine à bulles 3000 plus. Waouh. Waouh. Quelle invention. C'est trop fort. Et la couleur est magnifique. D'abord, on doit faire le liquide pour les bulles. Je vais ajouter de la peinture pour qu'on ait des bulles de couleur. Et moi, je vais mettre du parfum pour que ça sente bon. Et moi, je mets mon gâteau à la fraise pour qu'elles aient bon goût. Bah, les bulles, ça se mange pas. Non, ne rajoutez plus rien. On doit suivre la recette. D'accord, ok. Le liquide est prêt. Maintenant, tout le monde souffle. Hein? Lady, j'ai dit tout le monde. Oh, ok. Qu'est-ce que tu es autoritaire? Allez, les bébés! On inspire. À la une, à la deux, à la trois! Soufflez plus fort! Jusqu'à ce que vous n'ayez plus de souffle! Les amis, vous êtes prêts? Elles sont grosses, ces bulles. Mais elles explosent tout de suite. Elles ne sont pas parfaites. Je sais ce qui se passe. On doit ajouter un peu de savon. Oui! Plus de savon. Je crois que c'est trop. Il n'y a jamais trop de savon. Oh. Personne ne bouge de son poste. C'est une situation dangereuse. Les filles ont mis beaucoup trop de savon. On ne sait pas ce qui peut se passer. Que faites-vous, là? Retournez où vous étiez. Et regardez. Mais qu'est-ce que... Au secours. Cette bulle est indestructible. Vous avez mis trop de savon. Je vous avais dit de suivre la recette. Vous croyez que tout est un jeu? Et regardez maintenant ce qui arrive. Bien sûr, un jeu, c'est ça. Vous vous rappelez comment on a fait éclater les petites bulles? Hein? En jouant! Coucou. Hein?
Mais qu'est-ce que tu fais, Wendy? Je cherche une constellation en forme d'étoile bleue. Moi aussi, je veux faire ça. Je peux t'aider? Bien sûr, monte, viens. À droite, on peut voir la constellation de l'arc-en-ciel. Trop beau, toutes ces couleurs! Tu verras la nébuleuse gravitatoire gelée sur ta gauche. Gravita quoi? Oh, c'est pas grave. Regarde, on voit la lune! Hein? Mais j'arrive pas à voir la constellation de l'étoile bleue. Je sais, moi non plus j'y arrive pas. Cette constellation est la seule que je n'ai pas encore dessinée. Elle est tellement loin qu'on ne la voit pas. Bonne nuit, Missy. Je réessaierai demain. Mais c'est quoi tout ce bruit? Attends, mon profil est beaucoup mieux. Mais je l'ai déjà pris, celui-là. Coucou. Hein? Dites les filles, vous savez d'où vient tout ce bruit? C'est infernal. Oui, c'est Missy. Elle est occupée à une de ses inventions géniales. Ah, comme ça, c'est Missy. Missy, tu fais beaucoup trop de bruit, enfin. Tu sais, moi, j'essaye de dormir. Bonjour, Wendy. Tiens-moi le marteau, s'il te plaît. C'est bon. Maintenant, passe-le-moi. Ça y est. J'ai passé toute la nuit à travailler sur ta navette spatiale. Tu vas enfin pouvoir te rapprocher de ta dernière constellation. Et on pourra organiser des voyages pour tout le monde. Bon, il manque peut-être un petit réglage ou deux. Missy, je crois que ça va pas marcher. Mais merci beaucoup. Tu es une vraie amie. Magic Tears! Wow! Regarde, celle-là n'a vraiment besoin d'aucun réglage. C'est incroyable! Ouais! Il y a même un manuel d'instruction. Prends-moi en photo ici. On est très belles. Ah! Je sais pas ce que j'ai touché. Du calme, pas la peine de pleurer. Tout le monde dehors. Ah! Je suis un génie. Missy, que s'est-il passé? Wendy, Lena, Lady et Loulou sont partis dans l'espace. Et bah... Comment vont-elles redescendre? Descendre? Bon, ben... Descendre! C'est vrai! Comment vont-elles descendre? Ouh là là, quelle peur! Heureusement qu'elle n'a pas décollé. On a failli aller dans l'espace. Regardez, il fait déjà nuit. La journée est passée vraiment vite. Lena, il fait pas nuit. Oh, on est dans l'espace! La constellation cachée, deuxième partie. Qu'est-ce qu'il y a? Wendy, Lena, Lady et Loulou sont allés dans l'espace en navette spatiale. Et on sait pas comment les faire redescendre. Je voulais juste que Wendy puisse voir sa constellation de l'étoile bleue. C'est le manuel d'instruction, ça? Il faut le lire.
C'est là qu'on verra comment le faire redescendre. Mais comment leur dire, nous ? Elles sont là-haut et nous ici. Je suis sûre qu'un de ces boutons peut nous faire redescendre. Mais lequel ? Je suis sûre que Missy le sait. On est au milieu de l'espace. Ah ! Aouh ! Mais oui ! Le cry mobile ! Katie a bien une tablette, n'est-ce pas ? On peut l'appeler. C'est Lena, Wendy et Lady. Je les ai sur la tablette. Génial ! Ah ! Enfin, vous êtes là. Pas de problème, on va vous aider. Mais comment ? C'est ta navette après tout. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est bon, du calme. La navette a des boutons de couleur. Pour atterrir, il faut une combinaison spéciale. C'est très important que vous le fassiez ensemble. Attention, parce que vous n'avez droit qu'à 3 essais. Après, vous n'aurez plus d'énergie de l'arme magique. La combinaison est rouge, rouge, bleu, vert, rouge, vert, bleu et jaune. D'accord, c'est compris. J'appuie sur le rouge, rouge et bleu. Lena appuie sur le vert, rouge et vert. Et Lady appuie sur le bleu et le jaune. Est-ce que vous êtes prête ? Prête pour quoi ? Maintenant ! Loulou, non ! Premier essai manqué. Ah ! On est à l'envers ! C'est pas de ma faute. Loulou, c'est de ta faute. C'est pas grave, vous avez encore 2 essais. Allez les filles, ce coup-ci, il faut que ça marche. Allez-y. Mais, il est où ? Je peux pas trouver le bouton jaune. Deuxième essai manqué. Oh non, elles n'ont plus qu'un essai. J'ai trouvé. Je sais où. Le bouton jaune est au sol. Oh non, la tablette s'est éteinte. J'ai passé toute la matinée à regarder comment on cultive les oignons. Où ça ? Missy, j'entends rien du tout. Où est le bouton ? Oh non, ça s'est coupé. On a perdu la communication. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou ? Hein ? Le sol ? Le sol est un grand bouton. Ouais ! Ok, prête ? On va y arriver ensemble. 1, 2 et 3. Elles ne reviendront jamais. Qu'est-ce qu'il y a, Wendy ? J'étais si près de la constellation de l'étoile bleue et j'ai même pas pu la voir. Loulou, c'est quoi ça ? Waouh ! Wendy, regarde mes photos ! Les photos qu'a pris Loulou ! J'arrive pas à y croire ! C'est ma constellation de l'étoile bleue ! À partir de maintenant, on appellera cette constellation la constellation de Loulou. Magic Tears. Waouh ! Très bien ! Bravo ! Fantastique ! C'est fantastique ! Regarde, Loulou, ta constellation. Voyons si elle est ici. Et voyons par là. Et encore par là. Je t'ai eu.
Viens ici, Lisa. Je t'ai eu. T'as pas le droit de te cacher une fois de plus. Allez, arrête tes blagues. Lisa, où es-tu? Lisa? Ah! Waouh, génial! Ah! Hein? C'est quoi ce livre? Fantasy World? Ah, j'arrive pas à l'ouvrir! Lisa! Oh! Regarde ce que j'ai trouvé! Une baguette magique! Qu'est-ce qui t'arrive? Elle est super, cette baguette! Bien mieux que la mienne! Hein? Lisa? Qu'est-ce qui t'arrive? Waouh! Elle est vraiment magique! Allez, on va l'essayer! Tu veux qu'on partage? D'accord, une moitié pour toi, une moitié pour moi. Mais t'as mangé ma part? Non, c'est pas vrai, c'est toi. Tu mens, je veux ma part. Je mens pas, moi. Chut. Ah, j'ai gagné. Impossible. Ce pion n'était pas là tout à l'heure. T'as triché. Tu dis que je suis une tricheuse. Moi? Je veux plus jouer. Va chercher la balle, Spat. Allez, encore une fois, vas-y. Tu me fais trop rire, Spot. Non, mais regarde ce que tu as fait. Bah ça, je m'en doutais. Ah, bah on a tout compris maintenant. C'est de ta faute. À cause de toi, j'ai pas eu de gâteau. Je suis désolée, je l'ai pas fait exprès. Ça vous a pas fait rire? J'ai pas trouvé ça drôle du tout. Tu m'as fait perdre. C'est vraiment pas drôle. Tu comprends? Et moi, qu'on me salisse avec du gâteau. Je m'en vais. Moi aussi. Non, mais restez. C'était juste pour rire. J'ai une baguette magique, regardez. Je sais. Fais-moi confiance. Baguette magique. Et nous, on regrette de s'être fâchés. On sait que tu as un grand cœur. Magic Tears! Waouh! Wow. Wow. Ça, c'est un sacré gâteau. Un échiquier géant. Waouh! Trop fort! Merci, Lala. Ah, mais ça, c'est chouette. Vous allez voir tout ce que je peux faire avec ma baguette magique. Hein? Elle était juste là. Dites, vous auriez pas vu Lisa par hasard? Lisa! Encore arrivé. J'ai trop hâte que ça arrive. Mais il devrait déjà être là. Tu verras, c'est un truc incroyable. Super!
Ça y est, il est là, il est là. Enfin, il est arrivé. Trop cool, ça me fait très plaisir. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est le Super 3000+. C'est un robot arrosoir. Waouh, c'est vraiment génial. Ça va m'aider à arroser mon jardin bio. C'est trop mignon. C'est quoi tous ces dessins? Voyons voir. Je crois que ce sont les instructions. Mais j'y comprends absolument rien. Moi non plus. Je suis sûre que Nala et Léa peuvent nous aider. Allons les voir. Prends ça. Je vais rester avec Lady. Ne touche pas à l'arrosoir. Je te connais, tu sais. Ok. Du robot arrosoir de Katie. Si je le laisse comme ça, il a pas l'air cassé. Oh, regarde ce que t'as fait! Mon robot arrosoir! Kuni, c'est ta faute? Je l'ai juste touché un petit peu. Je m'en suis pas rendu compte, tu sais. Je suis désolée, Katie. Je suis vraiment, vraiment désolée. Bon, mais c'est pas la peine de... Attention! Allez! Le robot arrosoir a perdu la tête! Ah! Prends garde! Ah, génial! J'ai trouvé la tétine dorée! Les choses. Je m'en repas. Mais oui, tu as été très courageuse. Et je suis sûre que tu l'as pas fait exprès. Tu nous as sauvés. Et en plus, t'as fait un sacré saut. Alors, vous n'êtes pas fâchée contre moi? Mais bien sûr que non. Ce n'est qu'un robot arrosoir, tu sais. Enfin, les 3000 plus. C'est quoi? Il n'est pas cassé. Je voulais un robot fontaine. Pas le super robot arrosoir. Faudra que je fasse plus attention. Hé, hey, les filles! Et moi, je promets de ne plus toucher les boutons. C'est le oui! Vous êtes prêtes? C'est bon? Tout le monde à sa place, on y va.
ouais. Abracadabri, abracadabra. Laissez passer le talent, les filles. Nala, ne double pas. C'est au tour de Doty, là. Non, c'est pas grave, ça m'est vraiment égal. Le concours va commencer. Cette année, notre prestigieux jury est composé de... la très sympathique Katie, l'implacable Fancy et Lady. Elle a toujours sommeil. Allez, la première concurrente. C'est à moi. Mais non, c'est au tour de Doty. C'est pas grave. Laissez passer Nala. Vas-y, vas-y, passe si tu veux. Bah, dans ce cas... Non, moi j'y vais. Je vais y aller. Désolée, les filles. L'heure est venue que tout le monde découvre mon talent. Hé, attends, Nala, viens ici. C'est pas ton tour, écoute. Attention, vous n'avez jamais rien entendu. De semblable. Merci Nala, ça c'est sûr, on n'avait jamais rien entendu de semblable. Attends, j'en connais une autre. Suivante. Vas-y toi. Merci Doty. Elle reviendra. Le spectacle doit continuer. En avant le talent. Moi. Mais Connie, c'est autour de... Ta-da! Quel suspense! Ça pique de l'eau! Des muffins piquants? Cette année, on en voit vraiment de toutes les couleurs. Regardez comme je joue. Oh! Suivante, s'il vous plaît! Ce qu'il nous faut ici, c'est de la magie. Abracadabra! Et maintenant, la balle va disparaître. Hein? Abracadabra! Et revoilà Léa! Et maintenant, disparaît! S'il vous plaît, écoutez. Là, ça va marcher. Sortez de la scène. C'est incroyable, ça. Quelle ténacité. J'abandonne. J'en peux plus. Restait-il des concurrentes en lice? Bon, puisqu'il n'y a plus personne, le prix revient à... Friends forever. Come, take my hand through the stormy weather. Wherever you go, c'était vraiment inattendu. No matter how une belle surprise. Dans ces moments-là, je peux pas m'empêcher d'être émue.